Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de lignes 6 sigma. Le lignes 6 sigma est une combinaison entre deux approches, lignes management et 6 sigma. Le lignes management est une approche systématique qui nous permet de réduire et éliminer les activités et les tâches à non valeur ajoutée. Il nous permet aussi d'enlever les gaspillages en prenant uniquement les tâches et les activités ayant une valeur ajoutée. Pour appliquer le Lean Management, on doit appliquer l'un des outils suivants pour améliorer notre process. Par exemple, VSM, c'est Value Stream Mapping, qui nous permet d'avoir une vision globale sur notre process flow. Kaizen, c'est une approche d'amélioration continue. SMED, c'est pour améliorer le temps de changement d'outils. Et Gamba, c'est Go and See, elle permet d'aller vérifier sur le terrain et collecter les données. Kanban, pour gérer le niveau de l'inventaire et le flux de l'implémentation de production. Il y a d'autres outils qu'on va voir sur les prochaines vidéos. Par contre, le Six Sigma est une méthode de résolution de problèmes qui se base sur la variation de process. L'objectif de Six Sigma est de rendre un process efficace et presque à son défaut. Cela signifie qu'un process Six Sigma produit en 3,4 défauts par million d'opportunités, ou moins en conséquence. Pour appliquer le Six Sigma, on doit suivre la méthode de résolution de problèmes DMIC. Le DMIC est la méthode de résolution de problèmes qui permet de réaliser les objectifs de lignes Six Sigma. Il s'agit d'une méthode structurée contenant 5 étapes. D, c'est définir. M, mesurer. A, c'est analyser. I, improve ou améliorer. Et la dernière, C, c'est contrôler. Sur la première étape, D, définir, on doit définir le problème. Ensuite, le périmètre de projet. On doit définir aussi l'impact économique et le planning de ce projet. Sur la prochaine vidéo, on va parler en détail sur l'étape définir et je vais réaliser une vidéo pour chaque step de DMIC. Deuxièmement, on a mesuré. Sur cette étape, on doit mesurer l'état actuel en appliquant tous les outils qui nous permettent de mesurer notre problème. En commençant par exemple par VSM ou Process Flowchart pour avoir une vision globale sur le process. Ensuite, on peut mesurer la capacité pour savoir le niveau de notre sigma. On peut mesurer aussi notre take time, notre TRS et on peut utiliser le R&R. Ce sont des outils de mesure, mais on doit savoir ce qu'on doit appliquer dépendant à notre problématique. Après la vidéo de définir, je vais faire aussi une vidéo bien détaillée sur l'étape mesurée et sur ces outils de mesure. Troisièmement, on a analysé. Sur cette étape, on va analyser les résultats de mesure qu'on a fait durant l'étape précédente. On va utiliser des outils d'analyse comme par exemple Ishikawa, les 5 pourquoi, pour trouver les causes racines des variations qu'on a mesuré. Ensuite, improve ou améliorer. Après avoir mesuré l'état actuel et analysé les résultats en identifiant les causes racines, maintenant, on doit améliorer notre système en proposant des solutions pour éradiquer chaque cause racine. Et finalement, on va contrôler. Après l'implémentation des solutions, on doit mesurer la performance de ces résultats. Pour le faire, on va mettre en place un système, par exemple, de contrôle pour surveiller la performance des résultats. En regroupant ces 5 étapes, on aura un process structuré qui va nous permettre d'améliorer et résoudre n'importe quelle problématique au niveau de tous les secteurs d'activité. L'application de DMIC ne concerne pas uniquement le domaine d'industrie, mais aussi, on peut l'appliquer dans les domaines de services, transport, médecine et même nos propres projets. Sur les prochaines vidéos, je vais rentrer en détail et je vais faire une vidéo pour chaque étape de DMIC.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous sur les commentaires. Merci et à bientôt.